Salut, c'est reparti pour la troisième partie du cheminement Platinum ou 1000G sur le jeu Diffs d'Or. Alors je m'étais arrêté à un moment où j'avais fait une sauvegarde pour revenir au début du niveau les ruines broussailleuses. Mais je vais déjà repartir à la salle des portes afin d'améliorer un petit peu mes compétences. Comme d'habitude, pour l'instant, j'améliore ma force et ma magie. Et je vais repartir dans les ruines broussailleuses.
Alors ici, derrière ces caisses, il y a un trou. Je vais y descendre et je vais trouver une nouvelle arme, le marteau de tonnerre, qu'il faut bien sûr ne pas essayer pour éviter de bloquer le succès qui nous demande de terminer le jeu en se battant simplement avec le parapluie. En entrant ici, je vais accéder à un défi dans un coffre où je vais pouvoir obtenir un nouveau pouvoir.
Et juste derrière cette grille, je vais trouver le premier objet de cette troisième partie, le cinquième sur 24. C'est une maquette d'une ancienne porte de faucheur. Et pas très loin, je vais même trouver le sixième objet sur 24. Et là, comme j'ai pas mal d'âmes, je vais aller tout de suite faire un petit tour au comptoir pour un peu améliorer mes compétences.
Et là, quand j'arrive dans ce nouvel endroit, à l'ouest de la porte, je vais trouver le 7e objet sur 24. Un journal d'aventure. Et dans cette région, il y a quelques passages secrets avec des interrupteurs à actionner et ça va nous permettre, vous allez voir un peu plus tard, d'obtenir une nouvelle arme.
petite technique pour aller plus vite. Et en plus, quand on n'a plus beaucoup de vie, on sauvegarde, on retourne à l'accueil. Et quand je relance, je redémarre à la dernière porte que j'ai ouverte, au tout début de la forteresse gelée. Ici, quand on est en haut, on va faire une attaque plongeante pour entrer dans le souterrain. Et en sortant, je vais trouver un nouvel objet, le 8e sur 24. Et une fois qu'on a récupéré cette couronne ancienne, attention, juste là où il y a les caisses, il faut les casser pour trouver la 30e graine de vie sur 50. On va entrer à nouveau ici, puis dans un coffre pour avoir un petit défi et obtenir encore un nouveau pouvoir.
Nouveau sort obtenu, le sort de grappin, c'est cool. Petite technique pour retourner à la salle des portes. Je me jette dans le vide simplement pour me tuer. C'est bon, je suis mort, je vais être bientôt de retour dans la salle des portes et je vais me diriger vers la porte juste à côté, la porte du marin échoué. N'empêche que ça fait déjà plus d'une heure, je vais donc stopper là la vidéo. J'espère que celle-ci vous sera utile et qu'elle vous plaira. N'oubliez pas le petit pouce bleu ou vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, c'est très utile pour le référencement. Et on se retrouve très bientôt pour la suite ou d'autres vidéos. Allez, salut !